Zoom sur votre émission avec la CCI de Lyon, premier accélérateur des entreprises de votre département. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons vous faire visiter le nouveau centre de loisirs. Mercredi 7 septembre, c'était l'inauguration du nouvel espace Anna Carnot. Pour cette occasion, les enfants du centre de loisirs de Joigny nous ont emmenés visiter les nouveaux locaux. Donc là, c'est notre cour sportive, comme vous pouvez le voir ici. On va vous présenter l'intérieur du centre. Il y a toute plein de salles pour faire des activités. Lors de cette journée, les enfants ont interviewé Nicolas Sauret, maire de Joigny. Bonjour, comment allez-vous, monsieur ? Bonjour, mais je vais très bien. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir inaugurer ce bel espace Anna Carnot. Donc je suis très très heureux. Pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui ? Alors on est réunis aujourd'hui pour inaugurer cet espace qui s'appelle un espace Anna Carnot, qui est en fait un centre de loisirs. C'est le tout nouveau centre de loisirs de Joigny, qu'on a mis plusieurs années à imaginer, puis à construire. Et enfin tout ça on a fini, et c'est aujourd'hui le premier jour de ce bâtiment. Et vous faites partie du coup de l'histoire, puisque vous aurez été là le premier jour de l'espace Anna Carnot. Quelle est votre émotion en ce moment ? Mon émotion, c'est de la joie et puis un petit peu de fierté aussi d'avoir mené ce projet à bout. Quelle note donnerez-vous à ce nouveau centre de loisirs ? 19 sur 20. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez préféré dans ce centre ? J'aime tout, j'aime beaucoup son architecture, je trouve qu'il est, il a été bien dessiné, il est joli, je le trouve très fonctionnel, c'est-à-dire que je trouve qu'on on y circule très bien, je trouve que les espaces sont grands, ils sont lumineux, tout ça est fluide, j'aime bien la couleur qui a été choisie, j'aime bien tout. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci à vous. Bravo à vous. Merci. Nous félicitons les enfants du centre de loisirs d'avoir tourné ce reportage.